Bienvenue chez Créa What Group à Amilly. Ça a commencé en mars 2020 dans mon garage. On fabrique des panneaux solaires ultra légers pour le marché de la grande toiture industrielle. Ensuite, j'ai pris un ancien karting qu'on a réhabilité en site industriel. Et maintenant, on a récupéré un bâtiment de 14 000 m² où on a tout automatisé. Le changement de baraquet pour CréaWatt, ça a été l'arrivée sur notre site d'Amilly où on a pu ouvrir la partie industrielle, avoir les nouveaux automates de fabrication, ce qui permet de sortir 1200 panneaux tous les 7 heures. On distribue dans 19 pays européens. Avant la fin de l'année, on sera sur du 100% français avec du sourcing européen. Et c'est le début d'une aventure en fait avec le marché américain pour tout ce qui va être la partie commercialisation. Et en parallèle, c'est ouvrir le marché de tout ce qui va être les camions frigo pour les équiper sur les côtés et le dessus pour éviter l'émission de CO2 pour pouvoir faire le transport sans utiliser de fuel pour la conservation des marchandises. CréaWatt Group et le maillot jaune ont des similitudes sur le travail d'équipe. Entre 60 et 70% de nos employés sont sur de la réinsertion, soit de la mission locale, ou aussi on travaille avec la prison de Sarang, où on a monté un atelier. Alors le trophée, il ira avec les autres dans la salle de formation, où on met en avant toutes les récompenses qu'on a eues depuis le début de la création.